Aujourd'hui, je vais te montrer comment réaliser des animations virales qui explosent sur TikTok. Même si tu ne sais pas dessiner, ne t'en fais pas. Moi aussi, je suis complètement nul en dessin. Tu es probablement tombé sur des tutos comme celui-ci qui utilise Adobe Express pour créer des vidéos presque similaires. Mais soyons honnêtes, ces vidéos ne sont pas du tout extra et génèrent très très peu de vues. Mais aujourd'hui, j'ai trouvé la méthode, la vraie méthode. Je vais la partager avec toi dans ce tutoriel. En plus, tu n'auras pas à dépenser un seul centime car cette méthode est 100% free. À la fin de cette vidéo, tu auras tout ce qu'il te faut pour créer des vidéos d'animation accrocheuses qui feront un carton sur les réseaux sociaux. Mais avant de commencer, je t'invite à t'abonner à la chaîne et à activer la cloche de notification pour ne rien manquer de mes futures astuces créatives. Alors, la première étape pour créer notre vidéo d'animation consiste tout simplement à générer une histoire drôle. Pour cela, nous allons utiliser ChatGPT. Donc, sur ChatGPT, je vais tout simplement écrire un simple prompt pour une vidéo animée drôle à poster sur TikTok, tout simplement. Donc, ChatGPT va nous générer notre histoire. Là, tout ce que nous allons faire, c'est tout simplement la copier et nous allons l'utiliser pour générer une voix off pour notre vidéo. Donc, pour cela, vous avez plusieurs plateformes que vous pouvez utiliser. Premièrement, vous pouvez utiliser TTS Free, c'est complètement gratuit. Ou vous pouvez utiliser Clipchamp. Les voix off sont de meilleure qualité et c'est aussi totalement gratuit. Mais je vous recommande bien sûr d'utiliser ElevenLast pour avoir des voix off de meilleure qualité, d'une qualité professionnelle. Et en plus, vous avez la possibilité ici de choisir la voix off en fonction du style de vidéo que vous souhaitez créer. Donc des histoires conventionnelles, des personnages et animations. Après avoir choisi notre voix off, tout ce que nous allons faire, c'est écrire notre script que ChatGPT nous a généré ici. Nous allons générer notre voix off. Après avoir généré notre voix off, nous allons la télécharger et passer à l'étape suivante de notre vidéo. Dans cette prochaine étape, nous allons tout simplement télécharger les images dont nous aurons besoin pour animer notre personnage. Donc la première image que nous allons télécharger, c'est tout simplement un canapé que nous allons utiliser dans notre vidéo. Pour cela, nous allons nous rendre sur une plateforme qui s'appelle Vectizy. Et une fois sur la plateforme, nous allons tout simplement rechercher Sofa Line Drawing. Et là, vous allez voir ici des exemples de canapés que vous pouvez télécharger. Mais certaines de ces images sont payantes, alors je vous conseille de trier ici à droite par type de licence, licence gratuite. On ne va nous proposer que des images qui sont gratuites. Et ici également, je vous conseille de télécharger ça en vecteur. Et là, nous allons tout simplement choisir un canapé qui nous plaît. Par exemple, je peux prendre celui-ci. Je vais tout simplement la télécharger en cliquant ici. Après avoir téléchargé notre canapé, nous allons nous rendre sur Photoshop. Si vous n'avez pas Photoshop, vous pouvez utiliser la version gratuite de Photoshop qui s'appelle Photopea. Si vous ne savez pas comment l'utiliser, sachez que j'ai fait un tutoriel complet dessus. Je vous mets le lien en description de cette vidéo. Donc, une fois sur Photopea, nous allons tout simplement importer notre vecteur que nous venons de télécharger. Je vais tout simplement importer ce fichier-ci au format EPX déposé ici. Maintenant, ici, vous pouvez voir que notre canapé n'a pas de fond, n'a pas d'arrière-plan, ce qui est parfait. Donc, ce que nous allons faire ici, c'est tout simplement de fermer cet œil-ci pour ne pas avoir d'arrière-plan. Et ensuite, nous allons exporter cette image au format PNG. Fichier exporté en tant que PNG. Et ensuite, enregistré. Nous allons télécharger une deuxième image dont nous aurons besoin d'un frigo. Sur Vectizy, nous allons écrire Fridge Line Drawing. Et ici, à ce niveau, nous allons procéder comme tout à l'heure, vecteur, licence gratuite. Choisir l'un des frigos présents. Par exemple, je peux télécharger celui-ci. Télécharger. Là, je vais également l'extraire. Ensuite, je vais tout simplement importer le format EPS sur Photopea. Je vais procéder de la même façon que tout à l'heure. Je vais supprimer l'arrière-plan et ne conserver que le frigo avec l'arrière-plan transparent. Ici, vous pouvez également supprimer l'ombre si vous le souhaitez. Mais là, je vais garder l'ombre. C'est assez sympa. Fichier, exporter, PNG. La prochaine image que nous allons télécharger, c'est tout simplement l'image de notre personnage. Est-ce que c'est cette image? Bien sûr que non, ce n'est pas l'image que nous allons utiliser. Nous allons plutôt utiliser cette deuxième image qui est très virale sur TikTok. J'ai mis cette image à votre disposition dans notre groupe Telegram. Donc, si tu n'es pas dans le groupe Telegram, le lien se trouve en description de cette vidéo. Donc, vous allez tout simplement les télécharger. Nous avons différentes images. Maintenant, nous avons toutes les images qu'il nous faut. Nous allons passer à l'étape suivante qui consiste tout simplement à créer la maison de notre personnage. Pour cela, nous allons utiliser une application qui s'appelle Krita. Donc, je vous ai mis le lien de la plateforme en description. Donc, vous allez vous retrouver sur cette plateforme. Il suffit de cliquer sur installateur pour Windows et là, vous allez le télécharger. Après l'avoir téléchargé, nous allons tout simplement l'ouvrir et nous allons cliquer ici sur nouvelle image. Là, nous allons un peu paramétrer notre
document dont la largeur, vous allez choisir 1920, la hauteur, vous allez mettre 1080 et la résolution, vous allez mettre à 100. Après avoir tout paramétré comme ceci, nous allons cliquer sur créer. Maintenant, nous nous retrouvons sur cette interface. Pour zoomer en arrière, vous pouvez utiliser la molette de la souris pour zoomer, dézoomer. La première étape consiste tout simplement à dessiner le cadre de notre personnage. Vous n'êtes pas fort en dessin, ne vous inquiétez pas, ce n'est pas du tout difficile. Première chose, nous allons tout simplement prendre l'outil rectangle ici. Vous allez tout simplement mettre la taille à 2.06 et vous allez tout simplement dessiner un rectangle comme ceci et là vous lâchez. Ensuite, nous allons prendre le deuxième outil qui est l'outil ligne. Avec l'outil ligne, nous allons tout simplement faire un trait comme ceci, faire également un deuxième trait ici à ce niveau comme ceci. Ensuite, la prochaine étape, c'est tout simplement de prendre l'outil polygone et nous allons tout simplement dessiner la porte. Si vous ne savez pas comment utiliser cet outil, ce n'est pas du tout grave. Moi, personnellement, ça m'a pris environ 2 heures pour maîtriser totalement l'outil. Donc, ce n'est pas du tout compliqué. Ici, à ce niveau, nous allons tout simplement faire un clic sur la ligne du bas ici. Un deuxième point là, comme ceci. Là, je redescends ici à ce niveau, comme ceci. Et là, je viens tout simplement fermer ici à ce niveau. Donc, nous venons de terminer notre clic. Nous allons tout simplement mettre quelques couleurs pour donner vie à ces dessins. Nous allons prendre ici l'outil pot de peinture, choisir une couleur du mur. Par exemple, je vais prendre ici la couleur gris. Et là, je vais tout simplement venir cliquer ici et cliquer également ici. Donc, nous venons de terminer notre maison. Nous avons le mur arrière, la porte, le mur de côté. Maintenant, tout ce que nous avons à faire, c'est d'équiper cette maison. Donc, nous allons importer l'image du canapé que nous avons téléchargé au format PNG, bien sûr, et déposer ici. Insérer en tant que nouveau calque et je vais donc redimensionner ce canapé. Pour cela, je vais faire CTRL T. Là, je redimensionne comme ceci en maintenant la touche CTRL. Maintenant, je déplace. Et la prochaine étape consiste tout simplement à mettre un peu de couleur sur ce canapé. Je vais tout simplement venir ici à droite et cliquer sur cet outil peinture et ensuite je vais choisir la couleur ici à ce niveau. Et avec le pot de peinture, je vais tout simplement venir mettre des couleurs là. Quelque chose comme ceci. Donc là, nous venons de terminer avec notre canapé. Nous allons importer notre frigo. Là, je dépose insérer en tant que nouveau calque. CTRL T pour redimensionner. Mettre des couleurs également. Pot de peinture. On choisit la couleur du frigo. Je fais CTRL T, je le déplace, je le mets ici au coin. Et je vais tout simplement faire en sorte que ce frigo-ci soit derrière le canapé. Pour cela, je vais tout simplement déplacer son calque sous le calque du canapé. Et là, vous voyez que le frigo passe en arrière-plan. Nous venons de terminer la maison de notre personnage. Donc, la première étape consiste tout simplement à importer le personnage, insérer comme nouveau calque. CTRL T, je le redimensionne. Nous allons lui donner une taille raisonnable comme ceci. Et maintenant, ce que nous allons faire, c'est tout simplement le colorer également. Outil pot de peinture, je choisis la couleur du personnage. Maintenant, notre personnage est prêt. L'étape la plus délicate consiste maintenant à animer ce personnage dans sa maison. Alors, je vous recommande d'être assez attentif parce que c'est un peu difficile à prendre en main. Mais ne vous inquiétez pas, si moi j'ai pu le faire, vous aussi vous pouvez le faire. Pour cette étape, la première chose à faire consiste à renommer les calques. Donc, ici à droite, vous avez les calques. Ici, c'est notre personnage. Donc, je vais le renommer Rico. Le canapé, je vais renommer. Donc, après avoir tout renommé comme ceci, nous passons à l'étape suivante qui consiste à effacer les pieds de ce personnage. Nous allons voir pourquoi juste après. Il suffit de cliquer sur le calque du personnage et ici à ce niveau, nous allons choisir l'outil gomme. Donc si vous ne trouvez pas l'outil gomme, vous pouvez cliquer ici sur tous. Vous choisissez gomme ici à ce niveau. Maintenant, avec l'outil gomme, vous allez venir cliquer ici sur l'outil brosse. Avec ça, nous allons pouvoir effacer les pieds. Pour être plus précis, je vous conseille de zoomer. Nous allons maintenant pouvoir l'animer plus facilement. Nous allons tout simplement cliquer ici sur fenêtre et nous allons passer sur espace de travail animation. Maintenant, nous sommes sur l'interface d'animation et c'est ici que la magie opère. Alors, je vous recommande d'être très attentif. Alors, comment fonctionnent les animations ici à ce niveau? Vous avez l'outil déplacement ici ainsi que l'outil redimensionner. Ce sont des outils que nous allons utiliser. Ici, vous avez la timeline d'animation. Pour pouvoir animer notre personnage, je suis sur son calque Rico. Donc, je vais tout simplement faire un clic droit ici. Je choisis créer une image. Ensuite, j'avance de quelques centimes. Et là, je peux par exemple le déplacer comme ceci.
Maintenant, vous allez voir que lorsque je vais me déplacer, vous voyez que l'animation a été prise en compte. Donc, c'est aussi simple que ça. Si je veux qu'il se déplace pour venir ici à côté du frigo, je vais tout simplement le déplacer là. Et vous voyez que l'animation va être prise en compte. Vous voyez, là, c'est animé. Une fois que vous aurez compris ça, ça deviendra totalement facile. Donc là, nous allons maintenant utiliser cette méthode pour animer notre personnage. Donc, ce que je souhaite faire, c'est faire en sorte que ce personnage entre ici à travers la porte. Donc, la première chose que je vais faire, c'est tout simplement d'imposer les parties du corps de notre personnage. Donc, je vous rappelle que les ressources pour cette vidéo sont téléchargeables sur notre groupe Telegram. Je vais commencer par importer son pied ici, insérer comme nouveau calque. Je vais directement le renommer. Maintenant, pour le déplacer, je clique bien sur son calque. Je prends l'outil déplacer. Je peux réduire la taille du pied. Maintenant, nous allons tout simplement importer sa jambe. Maintenant, je vais tout simplement effacer la partie qui dépasse ici à ce niveau. Donc, je prends l'outil pinceau, réduis la taille et je viens effacer la partie qui dépasse. Là, nous avons déjà l'impression qu'il est derrière la porte. Nous allons importer le bras. Donc, nous venons tout simplement de terminer la première scène de notre animation. Donc, après avoir placé tous vos éléments comme ceci sur votre scène, nous allons maintenant commencer à les animer. Pour cela, nous allons tout simplement choisir la première partie du corps à être animée. Par exemple, je peux décider que ça va être le pied et la jambe. Je viens donc parmi mes calques, je cherche le pied. Donc, le pied se trouve ici à ce niveau. Pour l'animer, je viens ici au niveau de la timeline d'animation. Je fais un clic droit, créer une image. Et ensuite, je vais avancer ici à la prochaine image et je vais tout simplement déplacer ce pied-ci. Donc, je prends l'outil déplacement et je déplace son pied comme ceci. Ensuite, je vais également déplacer la jambe. Donc, je prends la jambe. Je viens ici à l'image 0. Je fais un clic droit. Je vais tout simplement déplacer sa jambe. Déplace la jambe comme ceci. Donc, si je fais avant, après, donc vous voyez que sa jambe est maintenant animée. Donc vous devez tout simplement procéder ainsi. Ça prend un tout petit peu de temps, mais croyez-moi, le résultat en vaut la peine. Procédez juste ainsi pour animer toutes les parties du corps. Nous venons d'animer la jambe. Maintenant, je peux également animer le bras. Donc je prends le bras, je viens ici à image 0. Je fais un clic droit, créer une image vide. Je pars à l'image 1 et je déplace le bras. Voici notre première animation que nous venons de faire. Vous voyez donc, c'est aussi simple que ça. Je peux également animer son œil. Par exemple, je prends la tête ici à ce niveau. Clic droit, créer une image vide. Et à une image, je viens tout simplement ici. Donc, j'efface l'œil. Je désactive la gomme. Je choisis une bonne couleur pour l'œil, la couleur noire. Et je crée l'œil ici. Je viens tout simplement d'animer l'œil. Si je fais comme ceci, vous voyez qu'avant on a ça, après on a ça. Bon, l'œil est un peu petit. Je vais tout simplement augmenter la taille là et cliquer. Donc vous voyez que je viens également d'animer son œil. Donc ça, c'est la première animation que nous venons de faire. Nous allons juste procéder ainsi. Par exemple, à image 6, je veux qu'à image 6, ce personnage soit toujours à la même position. Donc je fais tout simplement un clic droit et je fais créer une image par duplication au niveau de la tête. Je fais également pareil au niveau de la main, au niveau du bras. Nous allons maintenant dire, maintenant la prochaine étape, nous allons tout simplement faire entrer ce personnage dans la maison. Pour cela, nous allons animer son pied. Je viens ici. Je viens à cette image, je déplace son pied comme ceci, je prends la jambe. Donc nous venons d'animer la jambe comme ceci. Donc vous voyez la jambe qui s'étend. La jambe sort, le bras qui sort également. Et maintenant le personnage va sortir. Voilà, et ici à ce niveau, lorsque notre personnage est entièrement sorti de la porte, nous allons maintenant ajouter les autres parties du corps comme la deuxième jambe et le deuxième bras. Voilà, maintenant nous avons notre personnage entièrement constitué. Nous allons maintenant pouvoir animer cette nouvelle partie du corps que nous venons d'ajouter.
Une fois ici à ce niveau, vous pouvez prévisualiser ce que nous avons fait. Maintenant, nous allons passer à une étape très très importante. Comment faire parler ce personnage? Jusqu'ici, il a tout simplement un simple sourire. Maintenant, nous allons pouvoir animer sa bouche. Je veux qu'il commence à parler à partir d'ici. Et donc, à ce niveau-ci, je vais tout simplement, première chose, au niveau de sa tête. Et je vais effacer cette bouche-ci qui sourit. Importer les autres images qui ont une forme de bouche différente. Insérer en tant que nouveau calque. Et là, je vais tout simplement faire CTRL T et réduire la taille. Puisque sur ce personnage, nous n'avons besoin que de sa bouche, nous allons donc pouvoir effacer le reste. Je vais tout simplement la déplacer et mettre ici. Donc, vous pouvez donc voir avant, il sourit et après, il a la bouche pointue. Vous remarquez que ici, à 26 images, il a deux bouches. Là où il sourit et là où il a la bouche pointue. Donc, je vais tout simplement mettre ici à image 27, là où cette image commence. Je fais clic droit, créer une image par duplication. Je retourne à l'image 0 ici à ce niveau et j'efface la bouche. Donc, vous voyez qu'au début, ce n'est pas présent. Et c'est à la 27e image, quand cette bouche se disparaît, que la nouvelle bouche apparaît. Donc, c'est comme ça que vous devez procéder. Là, nous venons d'ajouter une nouvelle bouche. Je vais tout simplement importer les autres images. Je vais tout simplement faire pareil que tout à l'heure. Tout ce que nous avons à faire maintenant, c'est tout simplement d'alterner les bouches au fur et à mesure que la vidéo avance. Nous sommes passés d'une bouche souriante à une bouche pointue. Maintenant, quelques images plus tard, nous allons passer à une bouche ouverte et enfin à une bouche serrée. Donc, vous devez tout simplement procéder ainsi pour alterner. Voilà, après avoir animé la bouche, si nous prévisualisons notre animation, ça va donner ceci. C'est ainsi que vous pouvez procéder pour créer ces animations virales que vous voyez en ce moment sur TikTok. À première vue, ça allait un peu difficile à créer, mais je vous rassure, ça ne l'est pas du tout. Moi, je n'ai pris que 2 heures pour apprendre à utiliser cette application Krita que je ne voyais que pour la première fois. Et donc, en 2 heures, j'ai pu le maîtriser jusqu'à créer ce tutoriel que vous êtes en train de regarder. Alors, la seule chose que vous pouvez faire maintenant, c'est de passer à l'action et de pratiquer. Donc, une fois que vous avez terminé votre animation comme ceci, vous avez deux possibilités. Soit ajouter votre voix off ici directement sur le logiciel. Pour cela, vous devez cliquer ici. Ensuite, vous cliquez sur Importer l'audio. Vous choisissez votre voix off que vous avez générée sur Eleven Labs. Sinon, vous pouvez plutôt exporter cette animation et ajouter la voix off sur un logiciel comme CapCut. Et c'est la méthode que je vous recommande surtout d'utiliser. Comment donc faire pour exporter cette animation? C'est très simple. Dans Fichier, vous cliquez sur Effectuer un rendu d'animation. Ici, dans cet onglet, vous devez décocher Exporter comme séquence d'image et cocher Exporter comme vidéo. Et ici en bas, je vous conseille de mettre plutôt 25 images par seconde. Et au niveau de faire un rendu en, je vous conseille de choisir le format MPEG-4. Maintenant, nous choisissons le dossier dans lequel l'animation va être rendue et je clique sur OK. Maintenant, notre animation va être rendue et nous nous retrouvons sur CapCut pour ajouter la voix off. Et voilà, tu as maintenant toutes les clés en main pour créer des vidéos d'animation qui explosent sur YouTube. J'ai encore plein de méthodes secrètes à partager avec toi pour que tes vidéos fassent un carton. Alors, n'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer des prochains tutos. Si tu as appris quelque chose aujourd'hui, laisse un gros like à cette vidéo, ça aide énormément la chaîne à grandir. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. On se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles astuces. D'ici là, prends soin de toi.